Waalaikum salam. Mon voisin. Bonjour voisin. Bon arrivé. Ah merci voisin. Mon voisin, depuis le mois de Ramadan, moi il n'y a pas regardé toi. Voisin Amachoutan, tu sais que le mois de Ramadan là, c'est le mois d'adoration. Il faut maximiser. Voilà, toi, le matin, je pars à la mosquée. Écouter les traditions du Coran. Dans l'après-midi, je pars écouter les prédications. Et tu sais que le soir, après avoir cassé le Ramadan, je pars faire les prières sur l'oratoire, je pars faire les Al-Kawedjé. Yo, voisin, wallahi, moi-même, je vais aller faire la prière. Toi, c'est le seul mois qu'on a dans le mois de Ramadan pour profiter. C'est le mois qu'on doit profiter. Nous, les tailleurs, avec le commerçant, c'est le mois de vendre. Non, mais c'est vrai, voisin. Mais il ne faut pas oublier le côté religieux aussi. Parce que le mois de Ramadan, il faut en profiter au maximum. Fakat, mon cœur veut aller. Amma, Inch'Allah, je vais faire l'effort le 27. Viens de le lever. Ok, c'est bon, voisin. Amma, voisin. Non. Ousseninda, j'ai apporté mes habits. Ça, c'est pour ta femme. Et ça, c'est pour moi. Kaya, Jama. Kaya, voisin. Voilà, la chasse est dure de body. Voilà, moi, ça, je vois là. Tu amènes à la dernière, mais le faire, c'est dans combien de temps? Voisin, pardon, voisin. Tu si on ne fait pas pour vous dire qu'on ne fait pas le travail de voisin. Mais voisin, tu me vas me lâcher quand même, voisin. Ousseni Mambo. Ousseni, il faut voir ma situation, voisin. Amma, voilà, ça serait difficile. Voisin, je sais que c'est difficile. Amma, Ousseni, voisin. Ousseni, ne me lâche pas. Ouais, tu as dit, ça c'est tout pour ton femme. Oui, ça c'est pour ma femme. Tu lui coupes quelque chose. Quand tu sais que les femmes là, si tu ne donnes pas la vie de la fête, c'est toi-même tu connais. Oui, ça c'est vrai. Tchao. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi avec ça? Bon, ça tu me fais la gandoura comme d'habitude. Gandoura? Oui. Ah bah voisin, je vais faire le gandoura. Le faire c'est quand voisin? Non mais voisin, pardon, voisin, pas toi voisin. Ousseni Abdou, voisin, Ousseni. Ce qu'on va faire, oui. Je vais faire l'effort. Ça même, il y a beaucoup de clients, tu vois mon atelier. Oui, j'ai vu, voisin. Il y a beaucoup de travail. Oui. Je vais faire l'effort comme tu es mon voisin. Oui. Mignota Massaro, Kalas Bessarla, Baborna Jen de Gilde. Bon, comme je n'ai pas de choix, on fait alors comme ça. Mana Bani Midinokala. Yo, tu sais, comme d'habitude, comme j'ai ton mesure, oui. Maintenant tu donnes l'argent de films. D'accord, ça va me coûter combien, voisin? Pour les deux, ça va, donne-moi en tout cas 7000 francs. 7000 voisins. Bon, quand pour j'ai dit pour les deux, la voisin. Oui, pour ton femme et pour ton sarro. Ah, vraiment, c'est bien, voisin. Mmh. Mais tu sais quoi, voisin? Mmh. Attends, prends. Hein? Prends. Je te donne 10 000 pour t'encourager. 10 000 francs? Oui, pour te motiver. Mon voisin, mon voisin. Ouais, c'est ça. Mon voisin, allez-y, ça va. Ouais, voisin. Donc, le rendez-vous. Oui, voilà, justement, le rendez-vous, c'est quand, voisin? C'est le jour de fête. Non? Le jour de fête. Il y a des jules d'Yawara à votre allume chez moi. Quand il y a un beau voisin. Je vais trouver où le jour de fête la fête encore, voisin. Ah, je vais veiller sur ça. Il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de travail. Tu il y a des jules d'Yawara à voir ça. Tu à mon voisin, Ousseni, voisin, Ousseni, beau. Pardon, il faut respecter le rendez-vous là. Ousseni, voisin. Fais-moi confiance. D'accord. Le jour de fête, il y a des jules de qui vient chercher pour toi, avec pour ton femme. D'accord. Ok, bon. Merci voisin. Ouais, bon, maison, alors, merci voisin. Mon voisin. Merci. Amma des gens comme. Amma c'est là mon voisin. Tu restes à la dernière minute. Ou toi je suis ton voisin. Tu vas amener ton tissu n'importe comment. Amma les gens sont ce qu'ils sont. Tout pour les prières, viens me pardonner. Je balais même pourquoi hein? Ça fait déjà 2 ans que je n'ai pas eu la vie de fête. Et voilà encore aujourd'hui. Hein? Tout le mois du Ramadan, je suis dans le fumé. Hein? En plus, à 3h du matin aussi, je me lève pour faire le bairare. Le bon monsieur, lui, s'en fout même. Hein? Je lui ai demandé 2000 pour le naler, mais il me fait comme ça, il m'a contourné les parties. Même mes cheveux là, si Aïcha n'était pas là aujourd'hui, je ne devais même pas me tresser. Hein? En tout cas, tu sais, je veux voir avec qui il va fêter aujourd'hui. Je pars chez mes parents. Je pars chez mes parents. Ah.
Oui. Zara. Passe encore quoi? Il ne doit pas tenter d'amener les choses de la fête pour préparer. Il va manger le sable de sa maison. Ça doit être pour moi et pour lui. Oh, j'ai retiré mes mots. Ouais, les jaloux vont maigrir. Donc, ils pensent à moi. Dieu merci. Avant qu'il me vienne là, je peux me changer. Alhamdulillah. Wallahi, à chaque fois, quand la chose là vient comme, ce ne fait pas ce mauvais dé. Subhanallah. Zara, non, il y a bonne nuit, mais tu ne vois pas comme c'est belle avec moi. Tu as porté ça? Mais bien sûr que oui. Bah, Zara, que c'est joli. Ça, c'est les avis de Wato. Mais pardon, tu vois ça? Il oui. Faut apprécier. Oui. Ah, vite avant alors, vite, là, vas-y. Ça, c'est le sac de qui? Tu ne savais pas, j'allais partir. Tu allais partir? Mais bien sûr, je croyais que tu ne m'aimes plus. Je crois que tu ne. Ça fait 2 ans que tu ne m'as pas donné la vie. Ah bah, mon chéri, pourquoi? Tu es pressé, pourquoi? Je ne suis pas pressé, allez, vas-y. C'est bon, vas-y, va te changer. Hop, c'est parti, vas-y. Ça, c'est les avis. Oui, vas-y. Sois pressé. D'accord. Regarde le temps. D'accord, je vais aller à la prière. Oui. Attends. D'accord. Après la fête, si je reviens à la prière, pardon, il faut emballer ça dans le plastique. Je pars. Je vais aller mettre le bidon. Ah d'accord, tu as raison. Vas-y alors, vas-y. C'est gentil. Et je ramène toutes les choses dedans. Oh, ici. Oh, les jaloux vont venir. Comme ta caïna, les mimouya. Pardon, si on revient à la prière, tu enlèves, on va mettre les abidons. Oui, c'est fini. Voilà, Timmy. Car voisin, non, à Godo Gonga, tu es quelqu'un de bien. Oui, moi, c'est quelqu'un. Oui, Bokar, t'es là, oui. Vraiment, vraiment. Ok, bon, donne-moi, je pars alors. Hein? Donne-moi, je pars. Il y a Julie, voilà, après la prière, tu viens chercher. Naam? Parce qu'on va mettre les amidons, certains machins. Je demande, après la prière, je t'ai dit que je devais aller à la prière avec, non? Oui. Donne-moi, je pars, s'il te plaît. Attends. Mais qu'est-ce que je vois là? Comme quoi, Aladji? Zara, voisin. Viens. Attends. Ce ne sont pas les habits là que vous portez, toi et toi. Oui, justement, c'est ça, mon voisin. Attends. Calme-toi, je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Wato, quand moi je rentrais le matin de la fête là, maintenant là, le pipi m'a arrêté. Attends. Tout ça là, moi, ça ne m'avance pas. Donne-moi mes habits, je parle. Oui, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Je vois mes habits sur vous. Kaya, vas-y, mais le chantage m'a mal arrêté. Je vais monter de toi. Je t'explique. Tu vas m'expliquer quoi? Donne-moi mes habits, je parle. Tu m'expliques quoi? Voilà les gens. Je te rends service maintenant. Tu me rends mauvais, mon voisin. C'est pas possible. Mais tu m'as rendu quel service, voisin? Ama, les gens sont ce qu'ils sont. Moi, je te rends service. Maintenant, tu deviens méchant avec moi. Tu m'as rendu quel service? D'accord, tu as fini mes habits. Mais donne-moi, je pars. C'est simple, après la fête, tu vas venir récupérer. On va mettre l'amidon là-bas. Tu as fini mes habits? Donne-moi, je pars. L'amidon, je vais mettre ça moi-même. Ça, c'est mon problème. Oui, c'est fini. Maintenant, tu viens me gronder dans ma maison. Tu viens me gronder devant les femmes de moi. Ah non. Parce que tu m'as donné coudre pour toi. Pardon, voisin. Excuse-moi. Donne-moi mes habits. Je m'en vais. Voilà, traiter avec les gens comme vous, c'est perdre le temps, wallahi. C'est pas bon. Mais où va le monde? Pourquoi faut-il faire mal à la rubelle?
Je t'apporte des habits courts, mes habits tu me remets. Quelqu'un me dit, il a cousu les habits, il prend, il donne les habits de ma femme, il donne à sa femme, et le mien il porte. C'est pas vrai ça. Mais où va-t-on, mon Dieu? On aura tout vu. Nan m'a vu ma Durungia. Aladji. Ah oui, non, madame. Grand merci. Oui, madame. Oui, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Oui, madame. Prends. D'accord, voisin. Ce n'est pas ça. C'est ça, voisin. Voilà, voilà Ndassaro. Oui. Voilà le pantalon. Oui, c'est ça, voisin. Merci beaucoup, voisin. Non, ça va. C'est fini. Voilà le conseil. À partir d'aujourd'hui, n'a même pas ton travail avec moi. Ah bon? Oui. Donc c'est comme ça que tu le prends? Oui. D'accord. Je te rends service maintenant, tu me rends comme ça. Mais tu m'as rendu quel service? C'est maintenant que tu m'as rendu service. C'est à cause de ton 10 000 francs, tu viens jusqu'à dans mon domicile. En tout cas, rassure-toi, c'était la dernière fois. Je ne veux plus apporter mes choses. C'est toi mon dernier client. J'ai dit que c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est toi mon dernier client. Go de mire, vous j'ai une chèque. Ne viens pas dans mon atelier. Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas, je n'ai pas dit qu'on va mettre l'amidon? C'est ça ton amidon là? Je n'ai pas dit qu'on va mettre l'amidon. Oui, il vient jusqu'à domicile. Tu m'as déçu. Vous ne l'aurez pas. Tu m'as déçu. Voilà, voilà, il m'a vu. Les gens, ils viennent, ils expliquent ton problème, son problème, tu résoudes lui son problème. Après, il devient sur toi. Avant mon voisin, il m'a eu. Voilà tout alors ce que tu as fait, voisin. Maintenant, tu as fait ma femme, elle est partie. Je vais fêter la fête avec qui?